Good morgen, allez, Idan, le tueur aujourd'hui, le lunchmat Abraham de Chaï Ben Yisrek Vefani, David Ben Fortuna, Mazal Fritna, et Dvorah Bat Esther. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions Maseret Ketubot, Périgimel, Mishnah Aleph, Elo Neharot, Sheyesh Lahen Knas, Abba Ala Mamzeret, Vala Netina, Vala Kutit, Abba Ala Gioret, Vala Jvoya, Vala Shitra, Sheni Yivdu, Vesheni Gairu, Vesheni Shtachriru, ou Protot Mibnot Shalosh Anim, Yom Echad. Abba Ala Choto, Vala Chot Aviv, Vala Chot Imo, ולאחות אשתו, ועל אשת אחיו, ועל אשת אחי אביו, ועל הנידה. יש להן קנס, אף על פי שהן בהיכרת, אין בהן מיתת בית דין. On commence à parler dans ce chapitre de la, du knas de la na'ara ameurasa. Littéralement, la fille qui a été de Onès. On commence dans ce chapitre à parler de la paracha du Onès. Celui qui viole une jeune fille, qui était Betula, et qu'est-ce qu'il doit faire ensuite, à quoi on va le condamner? Regardez, on est dans Parashat Kitetse, il y a dans Perek Rav Bet plusieurs situations, il y a des Nahara Meurasa, en l'occurrence, des filles qui sont fiancées, il y en a une qui n'est pas fiancée, c'est elle. Et on parle toujours qu'il y a quelqu'un qui va partir violer cette femme, ou avec son consentement aussi, dans ce cas-là, ils seront Krav Mitar. La Torah, elle parle de plusieurs cas où ils étaient, où elle était mariée, et puis après, il y a un cas, Vimbasade, non, Ki Imtsa Ish, c'est tout à la fin, on est pas sous Khafret, Ki Imtsa Ish Na'ara Betula Asherlo Orasa. Lorsqu'un homme va trouver une jeune fille, vierge, Asherlo Orasa, qui n'a jamais été fiancée, Utfasa Veshachavima, et il va la saisir et faire ce qu'il fait avec elle, Venimtsa U, et ils ont été trouvés. Venatan Aïcha Shochev Ima la vie Anara Hamishim Katsef. L'homme qui a couché avec elle devra donner au père de la jeune fille Hamishim Katsef, 50 pierres d'argent de l'époque. Et en plus de ça, Velotihye le Isha. Et elle sera pour lui sa femme. Tachatacher Inna, lo yuchal shalecha kolyamav. Par le fait qu'il l'a violée, eh bien il ne pourra plus la renvoyer toute sa vie. C'est-à-dire en deux mots quoi. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on parle d'un homme qui a violé une jeune fille. Et puis, elle était donc jeune fille vierge. Il y a toutes sortes de marloquettes, on va tout découvrir, on va parler longuement dans ce chapitre de tout ça. Et il y a trois choses. D'une part, il doit donner un knas, une amende, il doit payer au père. En plus, il est obligé de se marier avec elle, avec un interdit de la divorcer. Ok? C'est clair? Ça va être le sujet de notre chapitre. Si vous faites attention, la Torah elle nous a précisé qu'il faut, en plus du knas qu'il doit payer, en plus de l'amende qu'il doit payer, il doit en plus de ça se marier avec elle. Et là, notre Mishnah elle va commencer à nous parler maintenant, qu'est-ce qui se passe, les deux premières Mishnahs vont parler, de qu'est-ce qui se passe avec une femme qu'on ne peut pas marier. Pourquoi? Parce qu'elle m'est interdite. Elle, ça peut être une jeune fille, mamzeret. On n'a pas le droit de se marier avec un mamzer. Si moi je suis un pur sang, je n'ai pas le droit de me marier avec un bâtard. Avec une bâtarde. Elle, c'est le cas. Elle doit recevoir le knas. Est-ce que je dois lui payer? Ou bien pire que ça, un frère qui a violé sa sœur. Il y a entre un chiouv karet, c'est pas un chiouv mita bedeshama, un chiouv mita, mitat bedidin, celui qui viole sa sœur. Bah, la différence de celui qui va violer sa fille, ça va être tout le sujet de notre Mishnah. Dans la Mishnah Aleph, on va parler des filles qui ont un knas, qu'il faut leur payer l'amende. Des 50 shekels à elle ou au père, c'est aussi toute une histoire, ça on en parle longuement, ça on l'évoquera un petit peu plus tard, je pense. C'est dans la Gemara, on en parle plus tard, j'oublie ce que la Mishnah même en parle. Qu'il y a en général, alors toujours, quand on paye le knas, l'amende qu'on paye, il faut la payer au père. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de père? Il faudra le payer à la fille. D'accord? Et on a à peu près évoqué les données élémentaires pour commencer maintenant notre Mishnah. Ve'eluna amot sheyesh lahem knas. Telles sont les jeunes filles qui ont un knas, à qui il faut payer le knas, l'amende. Premièrement, Abba la mamzeret va la netina va la kutit. Celui qui va partir, violer une mamzeret, une bâtarde, une netina. Une netina, c'est un peuple des Givonim, ils entourent le pays au choix pour se convertir, pour éviter que la Misraël le massacre, lors de la conquête de Yoshua. Et en tout cas, une fois que quand Yoshua il a réalisé l'entourloupe qu'ils leur ont fait, alors il a décrété sur eux que ce peuple-là soit un peuple de Shoave et Tzim, Shoave Maim et Chotve et Tzim.
pour le Beth Amikdash, de couper des bois et de puiser de l'eau pour le Beth Amikdash, c'était une sorte d'esclavage qu'ils avaient. Et donc, si c'est un esclave, on n'a pas le droit de se marier avec elle. Et idem aussi avec la Koutite. Avec la Koutite, c'est un peuple de Kouta. C'est toute une histoire, ce peuple-là. Très succinctement, ça rapportait mieux dans le Tifat Issa cette fois-ci. Il y a eu, à l'époque de Sanhérive, il s'amusait à déplacer Sanhérive, tous les peuples du monde, en les déplaçant sur d'une terre. Il prend les Égyptiens, il les amène en Syrie, les Syriens, il les fait monter en Turquie, et les Turcs, il les amène en je sais pas quoi, en Libye, et les Libyens, il les amène en Italie, et les Italiens, il les amène en je sais plus où. D'accord? Ça, c'est Sanhérive, il a été tous mes belles-belles. Il a tout mélangé, les peuples. Et il a pourtant en Israël un peuple qui s'appelait le peuple de Kouta. Ça va être les Koutims, ce qu'on appelle les Koutims. Donc ils sont venus de Kouta. Eux, c'est un peuple idolâtre. Mais il y a eu un moment où il y a eu une grande menace de lions qui leur traînait dans les forêts. Et du coup, ils ont décrété qu'ils ont décidé de tous se convertir parce qu'ils avaient peur de se faire manger par les lions. Ils se sont mis à avoir confiance qu'en fait, en étant juifs, ils seront peut-être un peu plus pour protéger. Ils n'avaient pas une vraie intention pure lorsqu'ils se sont convertis. Et ce qui s'est passé en fait, c'est qu'en fait, on a réalisé qu'ils continuaient quand même à faire leur avodah zara, donc on a une preuve que ce n'était pas des bons convertis. Mais lorsque ça fait l'objet d'une discussion dans la Mishnah, dans la chasse, est-ce que les Koutims, c'est des bons convertis ou des mauvais convertis? Pour ce qui concerne les lois du viol, eh bien, il faut lui payer le knas. Même si je n'ai pas le droit de me marier avec elle, comme j'ai pas le droit de me marier avec la mamzeret ou avec la netina, on n'a pas le droit, malgré tout, s'il a violé, il est obligé de payer le knas. C'est le chidouj de la Mishnah. Bien que tu ne peux pas accomplir la deuxième partie du pasouk, de te marier avec elle, la première partie, tu veux l'appliquer, tu dois payer le knas. Ok? Il y a aussi pour Abba, la Gioret, la Joya, la Shifra, Shinif, Vejinit Gayro, Vejinit Gayro, Protot, Mibdot, Shanish, Mibdot, Shalosh, Anim, Yomechad. Idem aussi pour celui qui va partir violer une Guillaume, une convertie, une Jouya, une jeune fille qui a été prise en captivité, et à la Chifra, ou encore une servante, mais qui ont été rachetées chez Nivdou, chez Nidgaïro, chez Nachachou, ils ont été soit rachetés pour la Chifra, ou bien pour la Jouya plutôt, et pour la, d'accord, Guillaume, Jouya, Chifra, donc qui ont été rachetés, qui se sont convertis, ou qui ont été libérés, Proutot Mibnot Shalashem Yomechad. Parce qu'elle n'avait pas encore 3 ans. Là, on parle d'autre chose, en fait, c'est très simple. C'est dommage, c'est pris dans une Mishnah comme ça, où il y a une Mishnah qui te montre tout ce qui est blanc, et l'autre Mishnah qui va te faire tout ce qui est noir. En parallèle avec le deuxième Mishnah, c'est aussi, c'est plus facile de comprendre ce qui est écrit là-bas. C'est qu'une fille, la Torah l'a bien insisté, on est rêve ce knas que si c'était une fille vierge. C'est-à-dire que si on a un qui l'a déjà violé une première fois, premièrement, ben le deuxième, il ne doit plus payer le knas, puisqu'on n'en est plus vierge. D'accord? Selon ce principe. On a déjà évoqué que chez les Goïm, à partir de 3 ans, on craint qu'ils ont eu un rapport. D'accord? Les Goïm, ils ne savent pas. Ils expliquent ça de manière naturelle. Ils ont pas fait le Brit Mila, ils ont une tava beaucoup plus forte, plus violente apparemment. Concrètement, chez les Goïm, on craint qu'ils violent. Ils violent tout le temps. Seulement, l'avantage, il est que une fille qui n'a pas encore 3 ans, si on la viole, alors on ne va pas détruire la petite membrane de la virginité. Et là, il va juste la repousser et elle va se refermer tout de suite. Donc, en fait, une jeune fille, tant qu'elle n'a pas encore 3 ans, un enfant qui n'a pas encore 3 ans, même si quelqu'un va la violer, les bitoulim vont revenir. La virginité va revenir, elle va se refermer. Alors qu'à partir de 3 ans, si on a percé, on a percé. C'est comme quand on va voir la canette de coca, ça y est, on voit que ça a été marqué, que ça a été utilisé. Selon ce principe, maintenant. Donc, toute fille qui a été en contact avec des goïms jusqu'à avant 3 ans, alors c'est sûr que, et après elle s'est convertie, elle a été protégée depuis qu'elle a 3 ans, on sait qu'elle est propre. Mais si ça s'est passé après 3 ans, donc elle sait, on craint, on soupçonne qu'elle a peut-être été violée, donc de ce fait, celui qui va la violer ensuite, il n'aura plus besoin de knas à payer, parce que s'il va violer une fille qui a déjà eu un rapport, il n'a plus besoin de knas. Pour le moment, la Mishnah nous dit qu'on parle d'une fille, donc, que jusqu'à l'âge de 3 ans, elle est en contact avec des goïm, mais après 3 ans, elle était quand en contact dans de bonnes mains. Dans ce cas-là, elle est encore considérée comme vierge, et celui qui va la violer, il devra payer le knas. De même pour Abba al-Achoto, celui qui va partir avec sa sœur. Abba al-Achot Aviv, avec la sœur de son père. Abba al-Achot Imo, la sœur de sa mère. Abba al-Achot Ishto, bien la sœur de sa femme. Abba al-Eshet Achiv,
et la femme de son frère, Val Eshet Achi Aviv, et c'est aussi la femme du frère du père, la tata, mais mariée avec le tonton, d'accord? Et aussi pour Veal Anida, celui qui va avoir rapport avec une, il va violer une femme Nida, une jeune fille Nida, qui a ses règles en ce moment. Eh bien, dans toutes ces situations-là, la Mishnah m'enseigne que Yesh Lain Knas, il faudra payer le Knas. Pourquoi? Afalpi Shein Beikaret, bien qu'elle soit Beikaret, qu'il a transgressé une avéra qu'il faut le condamner à mort, qu'il est passible de retranchement par le ciel, En Ben Mitat Bedin, il n'y aura pas de devoir de condamnation à mort par le Bedin. Je vous explique très, très simplement, ça va être simple. En fait, d'abord, prenons. Le chidouche, on a dit, dans la Torah, la Torah insiste, tu payes le knas, l'amende, tu te maries avec la femme, tu n'as pas le droit de la renvoyer. Qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai une femme que je peux payer le knas, mais je ne peux pas me marier avec elle? C'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. On a vu qu'on parle de femmes que je ne peux pas divorcer, et que je ne peux pas me marier avec elle, malgré tout, je vais quand même leur payer le knas. Même si c'est des interdits de lave, et même mieux que ça, comme c'est la fin de la Mishnah, même si un chiouv karet sur ça, donc c'est une avéra très grave, qu'on est passible de retranchement, mais puisque ce n'est pas le beddin qui condamne, alors dans ce cas-là, il y a une seule chose, il faut payer le knas. D'accord? À la différence, en fait, c'est plus en rapport avec la deuxième partie de la Mishnah, que si toutefois, et là, on a transgressé un cas d'inceste de condamnation avec le Bet Din, comme celui qui va avoir un rapport avec sa fille, ouais, alors là, dans ce cas-là, il est chayav mitat Bet Din, il ne devra pas payer. Pourquoi? Parce qu'on aura une règle qu'on verra que si on fait une seule condamnation sur une faute, pas deux. Donc si sur la même faute, ça l'engage à la fois à être condamné à mort par le Bet Din, et à la fois à payer, on va lui dire qu'on va le condamner, mais on ne va pas lui demander de payer. D'accord? À la différence du cas où c'est un chiouf karet, où il n'y a pas de condamnation à mort par le tribunal terrestre, eh bien dans ce cas-là, il reste que le devoir de dédommager et de payer le knas. D'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov Seah.